Exercice 4, on imagine la question et on complète comme dans l'exemple. Il y a 100 enfants et on veut former des équipes de 25 enfants. On va se poser la question, combien est-ce qu'on peut former d'équipes de 25 enfants ? 100, c'est 25 x 4, on peut former 4 équipes de 25 enfants. Allez, je te laisse réfléchir aux questions. Et si tu as trouvé les bonnes questions, on cherchera les réponses dans un deuxième temps. On a 130 fraises et on veut remplir des paniers de 10 fraises. On se pose la question, combien de paniers peut-on remplir ? On a un ruban de 75 cm et on veut découper des morceaux de 15 cm. On se pose la question, combien de rubans peut-on découper ? On a 150 briques et on veut construire des tours de 25 briques. On se pose la question, combien peut-on construire de tours ? Maintenant que tu vois les questions, on essaye de trouver les solutions. On se retrouve tout de suite après la pause. On a 130 fraises et on veut remplir des paniers de 10 fraises. On va chercher 130 dans la table du 10. 130, c'est 13 x 10. On peut remplir 13 paniers. On a un ruban de 75 cm et on veut découper des morceaux de 15 cm. On va chercher 75 dans la table du 15. Et 75, c'est 5 x 15. On peut découper 5 rubans. Enfin, on a 150 briques et on veut construire des tours de 25 briques. On va chercher 150 dans la table du 25. 150, c'est 6 x 25. On peut construire 6 tours.